Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes mardi. J'étais en train de réfléchir. Je mets ma machine en route. Il est 11h20 à peu près, je pense. Je sais pas exactement. 11h18. Donc je viens d'ouvrir la terrasse aussi aux chipettes. Donc ce matin on s'est levé vers 9h. Le temps que je sorte des là, que je donne à manger aux filles, que je déjeune, que je me maquille. On est parti à 10h25 pour aller déposer Camille à son stage. On a attendu un petit peu. Et ensuite, je suis revenue. Là, j'ai déjà fait à manger à Mel, elle avait faim. Je vous installe dans le trépied. Attendez, j'arrive. Bon, recoucou, désolé, il y avait un recommandé, donc il fallait aller signer. Donc je vous disais, du coup, je suis rentrée, là j'ai fait à manger à Mel, je lui ai donné, je lui ai mis sa crème, donc c'est première journée sur 5. Donc je peux pas vous expliquer exactement ce qu'elle a, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment ce qu'elle a. Là, c'est un test, on va dire. On verra si ça fait quelque chose avec cette crème et on verra par la suite. Je vous avoue que moi, ça me fait un peu peur, mais bon, voilà. Je peux pas pour l'instant vraiment vous en parler, de toute façon je sais pas si je peux vraiment parler de ça en fait. Donc on verra par la suite si je vous en parle dans des prochains vlogs ou quoi, mais voilà. Donc là on a appliqué la crème ce matin. Bon, elle voulait pas trop, je lui ai dit c'est juste de la pommade, voilà, il n'y a rien. Bon, je préfère lui mettre la journée que la nuit, au cas où pour les effets indésirables, tout ça, j'ai un peu, voilà, c'est jamais, hein, il peut y avoir des effets indésirables. Déjà là je lui ai mis la crème, elle m'a dit ça me gratte, ça me gratte, ça me pique. J'ai dit on met la robe au dessus. Là elle écoute la musique, elle a mis son casque et elle va manger. Je pense qu'elle va penser à autre chose. Ça va mon cœur? Ouais. Oui. Tu touches pas, hein? D'accord? Du coup, elle écoute sa musique, elle va manger tranquillement. Moi, je vais me faire un café et on va attaquer la vaisselle. Voilà. Donc, Camille finira à 13h30. Pardon. Là, elle venait de m'envoyer un message. Elle était partie récupérer le pain à la boulangerie parce que ils n'avaient pas encore préparé le pain. Donc c'est elle qui a été récupérer le pain. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a réussi à récupérer le pain parce que il y a des fois ils ont du retard, donc je ne sais pas du tout si elle l'a eu ou pas. Donc mon café. Hop. Hop là et hop là. Voilà. Et du coup, je vous ai même pas dit ce. Je vous explique un peu mon week-end, tout ça. Hein. Ça a été banal. De toute façon, c'est des journées banales, hein, comme d'habitude. Mais j'ai. Je voulais vous parler des vidéos que j'avais regardées. Donc, comme d'habitude, vous le savez, je regarde Bébé Pulpeuse. Ensuite, que j'oublie personne, que j'ai regardé moi ce week-end. Donc j'ai regardé Bébé Pulpeuse, j'ai regardé Hello Famille, j'ai regardé, je réfléchis en même temps, Véro et Mamie YouTube, j'ai regardé Kameko, j'ai regardé Max Family, c'était juste un short que j'ai regardé, mais voilà, j'ai regardé. J'ai regardé. Comment ça s'appelle? J'ai regardé. Je sais plus. Hier, j'ai regardé Joël, hier soir.
J'ai regardé aussi. Je vais oublier les noms, ça m'énerve. J'ai regardé Un Don à nous. J'ai regardé Maman Jumeau. Alors, je sais pas si. Enfin, moi, c'est une que je viens de juste découvrir. J'ai regardé deux vidéos. Je me suis pas encore abonnée. J'ai regardé deux vidéos. J'ai regardé Ticia. Bon, Ticia, j'ai regardé les deux vlogs. Et j'ai regardé. Il me manque quelqu'un, je crois. Et j'ai regardé qui? Oui, mon cœur! J'ai regardé qui? Je sais plus. Bon, j'en ai déjà regardé pas mal. Il me semble que j'ai regardé quelqu'un d'autre et que j'oublie. Je sais plus. Écoutez, peut-être ça va me revenir plus tard, je sais plus. Après, il me reste beaucoup de vidéos à regarder parce que j'ai. Donc là, c'est celle que j'ai regardée ce week-end. Mais après, ce que je n'ai pas regardé et que je dois regarder, c'est Mon Ange. Ensuite, j'ai des vidéos encore à rattraper de T-Rex Family. J'ai aussi des vidéos de Guigui, CC. J'ai aussi des vidéos de Simplement Moi que j'ai pas regardé, je crois, la dernière. Ensuite, il y a Nat Lachti, j'ai pas regardé non plus. Il manque 2-3 vidéos. Enfin, j'ai beaucoup de vidéos à quoi rattraper en fait, hein, mais clairement, après, je peux pas tout regarder en même temps. Et voilà quoi. Je regarderai quand je pourrai. Entre deux. Je regarderai une vidéo et puis. Mais bon, à chaque fois que je regarde une vidéo, hop, boum, il y en a des autres qui sortent. Donc forcément, je suis jamais vraiment à jour. Mais bon, c'est pas très grave, hein, on va dire. C'est pas très très grave. Je vous promène partout. Par contre, j'avais pris ce lait-là, je sais plus si je vous l'avais dit, le Lactel matin léger sans lactose, parce que. J'arrive, chérie. Parce que moi, je digère mal le lait. Mais là, en fait, c'est le. Je sais pas, c'est le vert et je sais qu'il y a le bleu. Alors le bleu, nickel. Je peux le prendre avec tous mes céréales, etc. et tout, nickel. Mais par contre, celui-ci, ben, je l'utilise dans mon café. Mais si je le prends avec mes céréales, pardon, il est vraiment pas bon. C'est le vert et le vert, j'aime pas en fait. J'aurais dû prendre le bleu. Du coup, quand je prends mes céréales, ben, je prends le lait normal, quoi. Hein? Avec lactose, pas le choix. Oui, mon cœur. Tu peux me donner mes nuggets? Mais ils sont là, mon chéri? Non, hein? Hein? Bon, tu l'as pas vu depuis tout à Bah, c'était les nuggets qu'ils étaient déjà Ben mangés. non. Ben non. Maman, tu les as ramenés. C'est parce que comme tu jouais, maman, tu les avais pas posés. Parce que j'avais mon talon. Ben oui. Tu touches pas, hein, surtout, hein, d'accord? Ça va, ça pique pas? Ça gratte pas, ça pique pas? Tu touches pas, hein? Bon, voilà, allez, on va attaquer la vaisselle, les amis. Je vais répondre à ma mère, j'ai vu qu'elle m'a envoyé un message. J'aime bien quand ils prennent des bonbons, comme là, j'en prends un KitKat. Il reste une barre dedans, on va pas l'acheter. Bon, c'est parti pour la vaisselle. Thank you.
les repas, ils s'arrêtaient hier soir. On n'a pas refait de course hier. Donc, je vais voir ça avec Chouchou tout à l'heure. Le pire, c'est que j'ai loupé un rendez-vous hier. Je vous ai dit hier, en fait, de base, j'avais rendez-vous à l'agence pour mon assurance. Et je vais baisser la ventilation parce que ça fait un bruit. Ouais, j'avais rendez-vous à l'agence pour mon assurance. Et puis, j'ai carrément zappé. En fait, comme j'ai dû partir chez le médecin et tout, sans rendez-vous et tout. Bah, du coup, j'ai zappé le rendez-vous. J'y ai pensé hier soir à 22-23h. Donc là, après, en début d'après-midi, je vais rappeler du coup, pour m'excuser parce que j'avais rendez-vous. J'ai zappé. Ça m'étonne qu'elle ne m'a pas appelé d'ailleurs. Et puis, j'ai un autre appel à faire. Il y a bien du monde ici. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un petit monde. Ouf. Il y a des gens partout là. Il y a partout, partout, partout. Je sais pas ce qui se passe. La route un peu plus loin au niveau de Lidl et tout, il y a un stop, lui aussi il est pressé, il y a un stop, il a pas fait le stop et là il a vu le bus, il est passé comme un dip. Bref, donc j'ai des appels à faire et puis bah, après il faut que je continue parce que j'ai nettoyé que ma cuisine à fond, mais il me reste encore salon, salle à manger, après je vais bosser avec Mel. Voilà, là elle regarde un petit peu la télé. Le soleil est chiant, il fait froid. Alors, il fait 3 maintenant. Et le soleil, bon, j'aime bien le soleil, hein, donc je ne veux pas me plaindre, mais il est chiant quand on conduit. Il fait mal aux yeux. Bon, après, on va me dire j'ai des lunettes. Hein. C'est des lunettes de vue, c'est des lunettes de soleil, mais bon. Quand je mets mes lunettes de soleil, j'ai l'impression que je fais. Je suis le bus. Camille, elle doit être congelée. Elle m'avait envoyé un message. J'avais eu. En fait, quand elle est arrivée à 10h30, ils avaient déjà 3 commandes. Elle a été récupérée le pain pour 11h, je vous avais dit. Et puis après, bah, ils ont une personne, je crois. Et ils avaient une autre commande là pour 13h15. Mais c'est, je lui ai dit, après, c'est normal. C'est mardi midi. C'est normal aussi. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde ce soir parce que elle a rouvert qu'aujourd'hui. Elle était fermée pendant une semaine. Et en plus. Et puis en plus, c'est pas méchant, mais on est le. Combien ? Je sais même pas. On est le 7 février. Donc il y a beaucoup qui ont eu leur argent, leur salaire, leur. Voilà. Donc il y aura plus de monde, je pense, ce soir. Mais c'est normal aussi, hein. Pas du mot, c'est pas du mot pour tout le monde. Hein. Donc moi je pense qu'elle aura plus. Ils auront plus de monde ce soir. Et là elle me disait que du coup, bah, vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de monde, ils bougeaient pas beaucoup. Puis vu qu'il fait plus froid dehors, chez Lydie, je vous ai dit elle a froid, donc là, elle a vraiment froid. Elle m'a dit j'ai le nez qui coule et tout. J'espère qu'elle va pas être malade quoi, parce qu'après c'est les vacances, donc ça ferait vraiment chier qu'elle soit malade après pour les vacances. Vu, je mets pas trop de temps, 5 minutes. Je me suis tapé le feu à un feu sur deux, et là je suis arrivé. Ils ont fermé la porte, ils doivent vraiment pas prendre. Là je suis arrivé devant la friterie, mais je vais faire demi-tour à la mairie. Thank you.
J'en ai déjà cuit. J'ai bougé, j'en ai déjà cuit. Ouais. Du coup, on va voir pour manger. Puis après, je vous ai dit, j'ai des appels à faire. Je vais travailler avec Mel. J'ai encore du ménage. Ma journée, elle va encore passer très vite. Elle va encore passer très vite. Je crois qu'Amie, elle sait pas que je suis là. Attendez. Je suis là. J'espère que je vais. Hop, qu'elle va la voir. Parce que d'habitude, elle sort tout de suite, mais. Ou alors elle est occupée à faire un truc. J'espère qu'elle va avoir mon message. Je lui ai envoyé un message, on verra bien. Peut-être Messenger, elle l'a pas reçu. Aussi, elle l'a vu pourtant. Ah, elle est peut-être occupée. Parce qu'elle a vu mon Messenger. Elle m'a pas répondu, mais elle l'a vu. Ah bah là, voilà. Là, voilà, Camille. Elle est là, je t'ai entendu dire ça, pas je t'ai vu. Il fait froid. Oh, Camille. Arrête! Moi je suis bien à la maison. Elle, elle m'a dit je peux venir à 18h30, 18h pile. 18h30? Ouais. Ça y est, elle sent la frite. C'est vrai? Tu sens plus la frite chez Elodie que chez Tony. Mais j'ai pas. J'ai moins mal à la tête. T'as moins mal à la tête ici? Pourquoi ouais. T'as plus froid? Oh, j'ai trop froid là. Oh, c'est ça, bon. En fait, c'est différent. Ici, elle a très très froid. Là-bas, j'ai. Mais elle a pas mal à la tête. Là-bas, j'ai chaud. Elle pue la frite. Là-bas, elle sent moins la frite. Elle sent quand même un peu la friture, machin. Mais moi, mais elle a mal à la tête, mais elle a plus chaud. Bah après, là, si je gratte bœuf, là-bas, c'est de l'huile. Hein. Là, c'est ça, non bon, là, elle est toute seule avec Lydie. Et de l'autre côté, ils sont comme ça. Le livreur, celui qui s'occupe des tacos, celui qui s'occupe des panini et des menus enfants. Les patrons. Les deux patrons. Il y avait toi, normalement, il y avait Ninon. Bon, Ninon, elle était pas là le dernier jour. Mais je veux dire. Et un stagiaire. Donc ils sont quand même beaucoup en fait de l'autre côté. Après c'est pour ça aussi que forcément il fait meilleur. Il y a plus. Non mais même le four à pizza il chauffe tout. Voilà. Ah moi je restais à côté du four à pizza. Là, le problème c'est que ta four il n'y avait pas beaucoup de clients du coup là. Bah. Tu m'as dit les trois commandes et après vous avez rien eu d'autre. Si on en a eu quand même pas mal là. On a fait quand même un beau service. Ah il y a eu quand même. Vendredi soir,
elle dit j'ai trouvé l'astuce. Même là, de là-bas, je pense. Elle dit j'ai trouvé l'astuce pour qu'ils lisent mes affiches. Elle dit j'ai pris l'affiche, je l'ai retournée, je l'ai mis à l'envers. Elle dit comme ils voient écrit à l'envers, ils lisent l'affiche et ils disent bah Lydie, ton affiche est à l'envers. Mais ils la lisent. Elle dit sinon ils la lisent, soit. Elle dit donc je vais faire quoi? Je vais mettre toutes mes affiches à l'envers. Elle dit maintenant quand ça, c'est tellement les gens sont curieux, à l'envers ils veulent lire du coup. Elle dit quand je vais être en congé, bah, je vais mettre mes affiches à l'envers. Lydie, tes affiches sont à l'envers? Non, non, c'est juste pour que tu lis. Au moins tu regardes. Elle dit sinon ils regardent pas, ils lisent pas. Elle dit donc je mets mes affiches à l'envers. Mais toi, elle va devoir lui envoyer un courrier à tous. Hein. C'est je suis fermé du. C'est de la soupe? Non, c'est de la soupe. Bah, c'est quoi? Des crêpes. La pâte à crêpes? Oui. Non, c'est pas la pâte à crêpes. Alors. Oh! Attention! Alors, il faut de la farine, du sucre, des œufs, de l'huile et du lait. Bravo! Ça va. En vrai, regardez. Regardez ce qu'on a là en fer. Ouh là là, maman va pas être contente. Ah bah, t'es déjà là. Ah, bah, t'es bien. Bon avoir de go. Pourquoi maman, elle te punit? Bah, je suis en train de faire des crêpes. Est-ce que je te punis? Quoi? Est-ce que moi, je te punis? Bah, non. Bah, alors. Est-ce que tu crois qu'il faut remettre un œuf? Bah, sûr. Je crois, ouais. Ouais. Parce que là, c'est un peu moins visqueux. C'est un peu moins dur, là. Tu vois? Vous voyez ce que je vois? Faut bien mélanger, parce qu'il y a des grumeaux. Quoi? Il y a des grumeaux, faut bien mélanger. C'est des morceaux. Sinon, ça va pas être bon. Faut bien mélanger, fort. Des grumeaux. Non, 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 non. C'est pas bon, moi, je mélange tout. Recoucou, il est 22h55. Je prépare des gourdes pour Mel et on va aller se coucher. On va aller se coucher.
coup, je sais plus, je vous ai pris quand. Je sais plus à force. Je vous ai filmé quoi aujourd'hui? Je vous ai filmé quoi? Je vous ai pris ce matin, je crois, quand j'ai fait mon café, ma vaisselle. Ensuite, je vous ai pris dans la voiture quand on a été récupéré Camille. C'est bien qu'il y a de l'eau. T'as réussi? C'est bien qu'il y a de l'eau. Tu peux rincer celle-ci. Et ensuite, je crois que je vous ai pas repris. Non. Tu veux voir si on en était couché? Ouais. On remonte. Ouais, du coup, je crois que je vous ai pas repris après. J'ai un seum, mais c'est chiant. Donc, du coup, quand je vous ai pris, on est rentré, on a mangé avec Camille. Donc on a mangé, moi j'ai mangé du pain avec du fromage. Camille elle s'est fait, qu'est-ce qu'elle a mangé Camille, je sais plus. Qu'est-ce qu'elle a mangé Camille? Je crois qu'elle a mangé de la charcuterie, des œufs durs, enfin voilà. Bref. Ensuite. Mais les Camille, elle chamaillait un petit peu pour rigoler. Et. Mais je sais pas si elle a fait exprès ou pas exprès. Elle a mis un coup de tête à Camille. En fait, elle a voulu se défendre. Enfin, elle voulait pas de bisous, donc elle se débattait, mais elle lui a mis un coup de tête à Camille. Et Camille, du coup, elle a dit, j'ai cru que mon nez était cassé. Elle avait mal à son nez, elle le sentait plus. Et elle a été un peu ouverte là. Bon, mais elle s'est excusée, hein, forcément, mais après, quand elle avait mal à la tête, elle a même dormi d'ailleurs. Et puis, elle a repris, Camille, elle a repris à. Bon, on n'a rien fait de spécial. Bah, moi, j'ai travaillé pendant une heure et demie avec Mel. Chouchou est rentré, il s'est lavé, tout ça, on a bu un café. Et ensuite, bon, on n'a rien fait de spécial. Ouais. Et puis, ensuite, on a ramené Camille pour 18h30. Nous, on a mangé, donc on n'a pas fait de course, donc on n'avait plus de repas de prévu. Donc, moi et Alexis, on a mangé des crêpes farcies. Chouchou, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mangé, papa, déjà? Ah, il a mangé du riz cantonné, parce qu'il restait du riz cantonné. Mathieu et Mel, ils ont mangé des nuggets. Non, Mel, elle avait mangé des nuggets. Et là, j'ai mangé des crêpes. Voilà, et ensuite Camille m'a envoyé un message, elle finissait à 21h au lieu de 21h30, donc on a été la récupérer à 21h. Je lui ai fait des coquillettes sauce tomate gruyère, donc je lui ai fait ça, parce qu'elle avait mal à la tête, donc elle a été prendre la main le temps que je fasse à manger. Laisse-la chérie, laisse-la. Et Mel, du coup, elle a, vous avez vu, elle avait fait. Et Mel, vous l'avez vu, elle a fait. Regardez. Et Mel, bah t'as vu, tu l'embêtes, elle se mange. Hein. Et Mel, vous l'avez vu, elle s'est fait sa pâte. Elle s'est fait sa pâte à crêpes. Et elle a fait, et elle a mangé. Bah, et elle les a fait cuire. Ah ouais, t'as fait cuire tes crêpes? Non. Si, tu les as fait cuire. Je dirais pas. Je peux pas le dire, chérie. Elle t'a fait mal. Elle t'a mordu ta tête. Elle m'a griffé, elle m'a mordu ma tête. Elle fait toujours ça, quand elle s'énerve, elle enfonce ses griffes et après elle mord. Moi, elle m'a mordu l'oreille hier. Je peux te l'embêter. Bah non, parce qu'elle va encore te mordre. Je m'en fous. Est-ce qu'il y a du jus d'orange dans le frigo ou sur la table, je sais pas. Non. Non. Comme par hasard. Donc voilà, et puis là, on a regardé le cross avec Camille. Du jus d'orange. Oui, chérie. T'aimes bien celui-là au moins? C'est celui que je t'avais mis dans le verre. C'est bon. Ben, c'est celui que je t'ai mis ce matin dans le verre. Je veux le prendre. Non, je rigole.
J'arrive. Attention de pas te faire mal. J'arrive pas. On a regardé le cross du coup avec Camille, là, comme il est monté se coucher du coup, et nous on va monter aussi. On laisse la place à matcher dans le salon. Mmh. On lui laisse le salon. Par contre, celle-là, elle est un petit peu tordue. Elle est pas très droite, celle-là. Hein. Tu m'étonnes. Ça, c'est parce qu'il y a eu de l'eau chaude dessus, je crois. Je t'en mets pas beaucoup parce que si tu bois pas tout. Ça sert à rien. Il y a un chat devant. Il y a encore un chat devant. Kenma. Ah oh, bah non. Oh, regarde ce que tu fais. Donc voilà, cet après-midi j'ai regardé, ben, ce matin j'avais regardé Bébé Pupeuse et j'ai regardé... Hérisson. Qu'est-ce que j'ai regardé ce matin? Tortue Ninja. Hello Famille je crois. Ouais. Et j'ai regardé aussi une vidéo de Nat Lachty, j'ai regardé qu'une vidéo, j'ai pas eu le temps d'en regarder d'autres parce qu'après je vous ai filmé un peu. Et après j'ai fait le montage et enfin, j'ai fait autre chose. Ah j'ai pas fait le montage, mais j'ai mis en ligne, etc. J'ai bien dormi. T'as bien dormi, chérie, ouais. Mmh. Et Mel, elle est très très grande. Ça fait 3 nuits qu'elle dort toute la nuit comme une grande dans son lit, dans sa chambre. Mmh. Toute seule avec ses doudous. Oui. C'est vrai, ouais. J'ai pas eu peur. Non, t'es grande. De toute façon, les monstres, ils existent. Elle s'installe, elle regarde une petite vidéo, et après, elle s'endort. Et puis, elle se réveille, ça dépend, entre 7h30 et... En vrai, les monstres, ils existent. Ce matin, tu t'es réveillée à quelle heure? Quand mon réveil a sonné, je crois. Je crois. Voilà. Maman. Donc, elle dort super bien depuis 3 nuits dans son lit. Maman, du coup, en fait... déjà, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Mais c'est pour ça que ça sert à rien de les forcer. Elle a voulu... En fait, c'est elle qui a voulu remonter samedi. Je le refais, Vas-y. Du coup, en fait, les monstres, ils existent pas. Ben non. C'est dégueulasse. Bon. C'est elle qui a voulu remonter samedi parce qu'on dormait dans le canapé encore depuis quelques jours. Et elle voulait dormir dans son lit. Elle a bien dormi dans son lit toute la nuit. Et puis bah dimanche soir pareil, hier soir pareil. Et puis là, elle va aller refaire dodo dans son lit. Il reste encore 3 ans, enfin 3 anniversaires et j'aurai 10 ans. Ouais, mais t'as encore le temps, chérie. Ouais, mais dans 3 ans, hein, tu viens d'avoir 7 ans. Hein. J'ai trop hâte. Sois pas pressée. Ça veut dire que dans 3 ans, maman, elle aura 40 ans. Tchuss. Ah bah du coup, je suis pas pressée en fait. Ah bah, de toute façon, on vieillit tous, hein. Oui. C'est obligé, hein. C'est comme ça, hein. J'espère que tu vas pas avoir des cheveux blancs. Bon, voilà, déjà, chérie. Ah. Regarde. J'en ai un petit peu, là. Si. Tu les vois pas? C'est bon, ça se voit pas trop. Elle dit, j'espère que tu vas pas avoir des cheveux blancs, mais j'en ai déjà. J'en ai un peu, mais c'est pas ça. Oui, ça va, c'est pas grave. Le temps que je suis pas toute blanche, ça me dérange pas. Ouais. Quand je vais commencer à devenir toute blanche. Maman, dans Brookhaven, j'espère que je vais pas avoir les cheveux blancs quand je serai une maman. Quand tu seras une maman, non. Quand tu seras une mamie, oui. Regarde, mamie, elle a les cheveux quelle couleur? Là. Ça, c'est toutes les mamies. Non, il y a des mamies, non. Ouais, mais ils ont des cheveux. Il y a des mamies qui ont des couleurs. Ouais. Et depuis quand ils ont l'âge de ça? De quoi? Bah, ils sont plus petites que les mamans. Bah non. Il faut ça. Ah, c'est parce que quand tu vieillis, après t'as mal partout et puis tu es comme ça parce que c'est on n'est plus pareil après. Ouais. Moi, mamie n'est pas comme ça. Bon. C'est déjà bien ça. Voilà. C'est déjà bien. J'aime trop dormir maman, il est trop bien. Il est bien avec ton lit. Et tu fais les meilleures chambres. Elle aime trop sa chambre du coup et puis ça fait 3 nuits qu'elle dort super bien dans son lit. Oui. Sans se réveiller du tout. Puis je veux dire, parce que vu qu'elle a beaucoup dormi avec nous, clairement, elle n'a pas dormi souvent dans sa chambre. Maman.
Mais là, elle s'installe dans son lit vraiment avec sa vidéo et puis elle s'endort toute seule. Et puis... En fait, j'aimerais bien avoir une maison comme ça. Mais si on n'aurait pas la cuisine ici, qu'on la haute part que ici, et on installe une chambre ici. Pourquoi? Parce que ça serait bien en fait. J'aime bien installer des chambres en bas que en haut parce que au moins on se réveille mais je suis pas toute seule. C'est pour ça que maman elle aimerait bien avoir un plein pied. Tu sais c'est quoi un plein pied? Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étage. Ah, c'est une maison que tout pareil, tout en bas. Ouais, c'est comme si là haut il y avait des autres pièces et c'était les chambres là. Il n'y aurait pas d'escalier ni de. Il n'y a pas d'étage. Au moins ça c'est pas chiant. Voilà. Au moins. On peut juste ouvrir la chambre, c'est mieux. Ici, et puis on peut dormir. Ouais, c'est mieux. Quoi. Ceux qui ont des plein pieds, ils ont de la chance. Ouais. Oh, pardon. Ah, dommage. Bon. Dommage qu'on n'a pas ça. Nous, on va se monter. Et je vais dormir encore comme une grande. Donc, faut que je prenne. Je dois prendre Amy, parce qu'elle ne monte pas l'escalier, forcément. Je ma bouteille d'eau. Mel, elle doit prendre sa gourde, son téléphone. Mon téléphone. Je prendrai Amy, c'est pas grave. Je prendrai Amy, maman. Tu vas prendre Amy, ouais, mais tu, j'ai peur que tu la fais tomber dans l'escalier, chérie. T'inquiète. Ou bien que toi, tu tombes, tu attends, hein. Tu m'attends, chérie. Ouais. Même que tu essayes de prendre Amy, mais tu m'attends. Ouais. Voilà, donc je vous laisse pour ce vlog. Il va pas être très long. Enfin, je sais pas, en fait. J'ai filmé un peu les crêpes quand même. J'ai fait le montage tout à l'heure. J'étais à combien? Je m'en rappelle plus. Je crois que j'étais à 24 minutes, si je dis pas de conneries. Ça fait... Bon, ça fait quand même plus de 40 minutes. Donc, je veux dire un truc à la vidéo. Oui, et profiter de la vie. Ouais. Profiter de la vie, faire quoi? Et surtout, je sais pas. Mais elle a fait des cache-cache. Ouais. Amusez-vous dehors. Mamie, Mel, elle a joué avec mamie à quoi? Au chat, c'est de la lave. Et mamie, elle faisait quoi? Elle s'assied sur mes jambes en plus. Elle s'assied sur toi? C'était drôle. Mamie, elle se perchait partout. En vrai, c'était... Et en plus, elle s'assissait même sur la table. Elle s'assissait? Ouais, je sais pas comment. Mamie, elle s'est perchée partout, ouais, sur la table, sur le fauteuil, sur les chaises. Partout, partout. Pas sur la et après, elle s'est assise sur Mel. Si, dans la cuisine. Elle est montée sur la chaise à Camille. Ouais. Mamie, elle faisait le singe. Ouais. Et après, mamie, elle va dire, ah, j'ai mal partout. Tu m'étonnes, elle va grimper sur le plafond. Peut-être maintenant elle joue encore du coup. Peut-être elle aime bien. Peut-être qu'elle joue avec Tata Vanessa. Elle dit, est-ce que tu peux jouer au chat de la lave? Ben, je vois bien mamie et Tata Vanessa jouer ça. J'espère qu'ils jouent ça. Bon, du coup, n'oubliez pas de profiter de la vie. Mais maman, on ne devrait pas aller chez mamie aujourd'hui. Ma mamie, elle était partie, je te l'ai dit. Elle est partie où? Peut-être demain, on ira si tu veux. En plus, demain, il y aura peut-être Théo. Oui. S'il y a Théo, il sera demain, Théo, pas... Théo, il n'y a pas l'école demain. Je suis pas sûre qu'il va avoir la joie de me voir. Moi aussi, Théo, il te demande toujours après toi, chérie. Non, mais je viens de défendre sa petite soeur. Bah, c'est pas grave. Il n'a pas à l'embêter. Ah non, t'as raison. Mais en vrai, il a embêté, du coup, il est... Ben, Théo et Julia, ils se battent tout le temps. Ouais. Comme toi avec tes frères et sœurs. Ouais, ah. J'arrête de me battre. Ah oui. Maintenant, je deviens gentille. Ah, tu vas devenir gentille. Tu mets plus de coups de tête. Non. Du coup, elle a la même allure là aussi, elle. Je vais avoir un gros bloc. Mais Théo, comme ça. Théo, à chaque fois que je le vois, il dit « Allez où, Belle? Allez où, Nana ?» C'est vrai? Il dit toujours allez où Nana? Quand tu veux. Quand je lui dis bah elle est pas venue, elle est à la maison, il me dit elle joue à Roblox? Encore? Mais... À chaque fois il dit ça. Super! Ouais, il t'aime bien Théo. Ouais, mais. Qu'est-ce qu'il y a toi? Je n'ai pas envie de jouer à la maison. Si tu veux faire voir à la caméra. Oh, chouchou, toi t'es lourd. Ah bah tu mets pas la manche des croquettes une par jour. Anos. Anos, 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 Anos. Des croquettes. Pourquoi t'aimes pas jouer avec lui? Elle aime bien, elle a dit, c'est parce qu'il va être en colère après elle, parce qu'elle a défendu Julien. Ah ouais, mais demain. En vrai, elle est encore plus. Demain, même si on y va chez mamie, ça sera que après le foot. Avec qui la foot? Oh, ça se finit à 16h30. Bah ouais, mais bon. Mais c'est trop.
sinon on y va avant. Si tu te réveilles avant, on peut y aller avant. Mais moi, j'ai envie de venir. Eh ben, matin. Mais il y aura peut-être pas Théo au matin. Bon, allez, nous, on vous laisse pour ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous dirai à demain pour le prochain vlog. Gros bisous. C'est 50 ans.